Fait que là, on est le début de la deuxième semaine. On est mercredi et on vient de commencer à faire notre popote. Mais en fait, ça fait quoi, une heure, deux heures qu'on popote, mais qu'on est tellement dans le rush que j'ai pas eu le temps de filmer encore. Chantal est encore ici. Elle est en train de préparer les ingrédients pour le curry vert. Là, on a le curry japonais en train de mijoter. J'avais préparé le bouillon à la maison. On a juste assemblé tantôt. On a, je vais pas le lever, ça a l'air chaud. On a des œufs en train de cuire parce que là, on va faire le porc caramel qui est en train de mariner ici. Je sais pas si on va le voir. Bon, des gros cubes de porc. Ouais, notre frigère a quand même pas mal d'ingrédients pour la semaine. On va aller voir en avant. Oh non, c'était, comment il s'appelle? C'est Michael, mais oui, c'est ça. Ici, on voit le curry japonais en train de se déconstruire. On n'a pas le choix. Faut ce qu'il faut pour les photos. Depuis ce matin qu'elle chiale, mais là, dans les bras de maman, elle arrête de chialer. Ah, elle chialait dans tes bras? Ouais. Oui! C'est maman qu'elle voulait. C'est maman. C'est tellement le fun dans les bras de maman. Il est cool pour moi. Elle a comme des petits cheveux. Fait que voici notre petit lunch, un peu de riz frit, poulet noix de cajou, du bol au clac. Fait que même petite assiette pour toi. Ouais. Là, on attendait après le curry japonais, mais il est encore en train d'être pris en photo. On va peut-être allumer ça. En train de faire le lait de coco. Ouais, je suis en train de réduire mon lait de coco pour mon curry vert. Fait que là, j'ai toutes mes choses ici de prête. Ah, les aubergines, ouais. Mais... Oui, merci beaucoup. Ok. Ça travaille fort. Ça travaille fort. Fait que là, ils sont en train de faire les poteaux du porc caramel. Ouais, Laure est en train de placer ça. Tu vas les filmer un peu. Ouais. Ah, c'est une cuillère qu'on sert avec ça? Ouais. Une grosse cuillère à soupe. C'est un top-là extrêmement rustique de semaine, communément. Mais ça, c'est pas une portion individuelle. Non, non, on pige dedans. Il y a souvent des familles qui s'assoient autour du bol. Ah, OK. Avec plusieurs petits bols de riz, puis ils pigent dedans. Ah, OK. Ah. Ouais, c'est un plat de semaine très commun. C'est pas supposé être chic non plus. OK. Puis... Fait que là, on est jeudi, c'est la deuxième journée de la deuxième semaine et ça fait à peu près deux heures que je suis arrivée en cuisine. J'ai pas eu le temps de filmer avant ça parce qu'on est arrivé avec un petit peu de retard, on a été poignés dans le trafic. Ça nous a pris deux heures à se rendre sur les lieux du photoshoot. Fait que là, matin, j'ai eu le temps de préparer mon poisson vapeur gingembre. J'ai préparé aussi, là, ils sont en train de faire la soupe tonkinoise, mais mon bouillon, il était déjà fait, les petites garnitures, ben, c'est eux autres qui s'en occupaient. Et là, je suis en train de faire ma soupe aigre piquante. Ça mijote. C'est un matin qui est un peu rock'n'roll. Vous le savez, la soupe aigre piquante, il y a comme un million d'ingrédients. Fait que j'essayais de me placer sur mon petit plan de travail. Et Chantal vient de revenir. Avec un café. Bien sûr. Fait que là, on peut enfin respirer un peu. On peut prendre le temps de placer nos choses et prendre ça pas plus relax, là, mais... Aujourd'hui puis hier, c'est pas une journée relax. Demain, on espère que ce soit une journée un peu plus mollo. On est en train de stager la soupe tonkinoise en ce moment. Mais là, il faudrait un petit peu plus de bouillon, puis évidemment, mon bouillon est... On pogne des trucs, là! Un truc de cosmétique! Là.
pour vous. Non, mais il faut pas que l'autre soit coupé. Oui, c'est bon. C'est-tu trop gros? Moi, je pense qu'on va les faire moins remplis que ça. Moins rempli. Une petite affaire de rien. OK, c'est comme ça? Ouais. Un peu dans le coin, mais pas complètement dans le coin. Le micro il est bien plugué jusqu'au fond. Ça. Hier je l'ai mal plugué. À chaque jour, soit j'oublie le micro, soit je le plug mal. OK. On fait des petites brochettes teriyaki. Check-moi ça comment ça commence à être beau. Il n'y a pas la sauce encore. Il y a juste la marinade. La photo des petites bouchées vient d'être faite, fait qu'il y avait des wonton frits, des petits beignets de crevettes, nos petites boules de légumes. Alors, on va tout se rajouter ça sur le dîner. On a les brochettes, les gyoza, Fait que là, on est en train de dîner. Fait que ça, c'est le petit restant de siomai. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment bons, hein? Là, il y a des chaises. Voici mon assiette. Fait que j'ai pris des wontons, les petites boules, la petite sauce mayo épicée, la soupe asperge et crabe, j'ai des teriyaki, des petits poulets teriyaki. Là, ben, en cuisine, ils sont en train de se faire une petite assiette, là. Il y a ceux-là qui sont déjà prêts. Il y a les siumai en train de finir. Il y a le teriyaki. Tu peux en prendre comme tu veux. Mais non, on peut se faire ici. Toi, est-ce que tu manges des petites bouchées? Oui, je cherche une assiette là. Ils sont là. Ah, OK. Qu'est-ce que tu dis? Oh, petit! Là, c'est les tarots puffs. Il y a ceux-là qui sont finis. Voilà. Donc là, on vient de finir notre deuxième semaine. On est vendredi, il est presque 6 heures le soir. On était censé terminer quand même tôt aujourd'hui, mais finalement, on a fini à 5 heures. Là, on est pogné dans le trafic sur le pont Champlain. Je pense que cette semaine, il n'y a pas eu une journée où on n'a pas pogné comme du trafic intense. Hier, il y a eu un accident, comme le matin, ça nous a pris 2 heures et quelques s'en aller. Puis ça nous a pris presque 2 heures aussi pour s'en revenir, fait que ça fait des vraiment longues journées. Là, j'ai les yeux qui chauffent tellement que je suis fatiguée. Puis là, en plus, à la fin du shooting tantôt, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous envoyer la vidéo sur Patreon. La nouvelle vidéo que j'envoie tout le temps le vendredi matin. Normalement, je la programme comme le jeudi soir pour qu'elle se mette automatiquement le vendredi matin. Comme ça, j'ai pas besoin de... Tu sais, si, mettons, je dors le matin, elle va quand même se publier. Mais hier soir, j'étais tellement occupée. J'ai préparé mes tarots puff pour aujourd'hui. Puis j'ai fini à 11h le soir parce qu'on est arrivé tard à la maison.
Puis après ça, je suis juste comme allée me coucher, fait que j'ai complètement oublié qu'il fallait que je finalise la vidéo, que je la mette sur YouTube, puis que je la programme pour Patreon. Fait que là, j'attends juste d'arriver à la maison pour aller finir ça, je me sens un peu mal. Et là, pour la semaine prochaine, ce qui complique un peu la chose pour les photos, c'est que normalement, j'ai le samedi, dimanche, lundi, mardi pour cuisiner chez nous. Je congèle les choses ou je les réfrigère. Ça dépend vraiment de la... quand est-ce qu'on va les shooter, s'ils sont capables de toffer. Mais là, on va commencer la semaine un mardi au lieu d'un mercredi. Mon Dieu, c'était bon. Bon, il y a comme beaucoup de motos. Fait que là, ça me laisse samedi pour faire mon épicerie puis commencer mes recettes. Mais sinon, j'ai dimanche et lundi. Le dimanche, j'avais le dilemme, c'est la fête des pères, puis mes parents font un dîner de famille, puis genre, je suis comme la seule qui peut pas y aller. J'essayais de voir si je pouvais pas comme condenser mes recettes pour essayer de me trouver un petit trou pour aller chez mes parents. Mais tu sais, encore là, quand je vais chez mes parents, c'est une heure y aller. T'sais, mettons que je resterais un petit deux heures juste pour faire acte de présence. Après ça, une heure pour revenir. T'sais, déjà que je suis brûlée, pour le moment, je pense que je vais devoir annuler ça parce que quand j'ai fait le petit recap de recettes à faire cette semaine, il y a moi qui en fais une partie et mon aide cuisinière Chantal qui en prend une autre. Dans le fond, elle s'occupe d'acheter les ingrédients pour ces recettes-là puis elle fait un petit peu de préparation, mais c'est quand même moi qui les fais sur place. Puis c'est tellement des recettes que si t'as pas vu la vidéo, c'est dur à t'imaginer c'est censé être quoi le look, c'est censé être quoi comme texture, puis je suis un peu difficile. Fait que finalement, on a comme rebougé un peu l'horaire de recette. J'en ai repris plus sur moi, fait que je vais devoir en cuisiner un petit peu plus chez nous. Pas que j'y fais pas confiance, mais c'est juste que j'ai pas envie d'arriver sur place, de devoir courir acheter des ingrédients la journée même, puis de devoir vraiment faire la recette sur place la journée même quand j'avais planifié, moi, mon horaire à faire sur place. Parce que là, moi, mon temps, il est booké serré chez nous et il est booké serré sur place aussi. Fait que faut pas que les choses tournent mal. J'ai pas beaucoup de jeux. Mais bon, c'est la dernière grosse semaine. Après ça, il va rester une journée de photos qui va être pour la photo de couverture du livre. Fait que là, ça va être vraiment comme une journée dédiée pour celle-là. Bon, fait que là, on va bientôt arriver à la maison. Et on va aller essayer de relaxer un peu parce que là, on le mérite. Là, on a eu une semaine de fou. Amy adore en arrière. Elle brûle et morte. Elle veut pas, c'est des grosses journées pour elle aussi parce qu'elle n'est pas à la maison. Elle n'a pas. Normalement, vers 2h30, elle ferait une sieste dans le noir. Puis on n'a pas ça là-bas au studio. Fait qu'elle est fatiguée. Là, puis elle pleure. Elle chiale. Puis on essaie de la consoler. Mais c'est dur. On est brûlé. Ouais. J'ai les yeux qui brûlent. Puis aujourd'hui, c'est une journée de friture, fait que j'ai encore plus les yeux qui brûlent. Maintenant, les vapeurs d'huile. Bon ben, on se revoit dans le prochain vlog. Bye!